Voilà, là on est pas mal. Attends, ok super, je vais faire une vidéo, hop je leur annonce que la KTM elle est cassée. Et ensuite je les amène dans la neige, ok c'est parti. Salut les amis, c'est Olo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver les amis aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en compagnie de ma merguez préférée. Et je vais vous expliquer pourquoi les amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne. Tous les mécanos, on se retrouve en commentaire parce que je vais avoir besoin de vous. Oui, si jamais vous pouvez liker la vidéo aussi les amis, ça ferait trop plaisir. Ça va nous permettre d'atteindre plus rapidement les 200 000 abonnés et de pouvoir changer ce véhicule par une Yamaha. Ce que j'aurais dû faire dès le début, mais je suis un fou. Les amis, avant que cette vidéo commence, je tenais à vous parler de Car Vertical. Les amis, je vous les présente plus, vous les connaissez, ils me suivent dans tous les projets et rapidement je leur fais une petite dédicace. Donc les amis, Car Vertical, ça vous sert à quoi? Et ben, je vais vous l'expliquer tout simplement grâce à votre téléphone que j'allais ranger, mais vous en avez besoin. Vous allez sur Car Vertical, je vous mets un exemple, allez juste ici avec un rapport sur un véhicule. Donc avec ta plaque d'immatriculation ou ton numéro de châssis de ton véhicule, tu vas pouvoir avoir des informations sur ce dernier, sur l'historique du véhicule. Donc tu vas pouvoir avoir des relevés kilométriques, donc avoir le kilométrage du véhicule, tu vas pouvoir savoir si le véhicule a été endommagé, s'il y a eu des accidents ou non, si ça a été caché via la vente, bah tu vas le voir sur Car Vertical. Car Vertical travaille avec les assurances, la police, vraiment ils ont un bon réseau dans le monde entier. Donc comparé à Istovec, tu vas pouvoir avoir tout sur ton rapport Car Vertical dans le monde entier. Dès que ton véhicule a été importé d'Allemagne, tu vas pas le voir sur Istovec, mais sur Car Vertical c'est ça le point fort, tu peux tout voir. Je te mets un exemple là, tu verras les photos, vraiment ça fait peur d'acheter un véhicule qui a fini comme ça, surtout là une moto. Je te dis, tu peux passer ton véhicule, le lien est en description. Tu mets ta plaque d'immatriculation ou ton numéro de châssis, t'intègres le code Léonard, t'aurais moins 20% sur ton rapport. Si jamais il n'est pas assez fourni, ne t'inquiète pas, Car Vertical te redonne un crédit supplémentaire pour que tu puisses repasser un véhicule. Donc si jamais tu es en recherche de véhicule, c'est toujours bien de prendre aller un petit forfait, tu prends 3 rapports, tu passes tes véhicules, si jamais ils sont pas garnis, hop, t'es remboursé. Donc au moins, tu prends pas de risque et t'achètes un véhicule clean. Voilà, vous l'avez vu à tous les exemples, c'est vraiment utile. Je vous mets le lien en description, je tenais à le remercier. Et vraiment les amis, cliquez sur le lien en description, ça me fera très plaisir pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve directement avec la KTM et on va dans la neige. Il y a de la neige, on va s'amuser, c'est parti. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas si j'ai fait le bon choix aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui on sort le 300 TPI sous la neige. Alors bonne ou mauvaise décision, c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. En tout cas, on aura fait une petite sortie sous la neige. En plus, il faut le désengorger. Mais là, vu qu'il caille, ça va être chaud patate. On va essayer de pas se toller dès les premières minutes, tu vois ce que je veux dire. On va réserver ça pour la fin de la vidéo, ça sera plus drôle quand même. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune adhérence. Hein. En voiture, tu dois bien glisser, mais alors là, en moto... Les amis, j'espère que vous allez bien. Moins 4 degrés, 300 TPI versus la neige. En ville, on verra bien ce que ça va donner. On a revêti notre meilleur accoutrement, par contre, comment j'ai froid au visage. J'aurais dû mettre une cagoule. Il fait un froid polaire. Je vous ai mis la petite 360. Du coup, on verra ce que ça arrive à filmer. Hein. Soit ça sera mieux, ou soit ça sera un meilleur point de vue. C'est trop drôle, les voitures sous la neige. Faut en profiter, parce que la neige, ça dure que 24 heures. Après, il n'y aura plus du tout de neige. Je pense qu'il n'y a que ce genre de bécane qui peuvent sortir quand il neige. Est-ce que les gens vont dire que je suis fou? Il y a moyen. Il y a fort moyen, on va aller dans la forêt, on va aller dans les bois. Moi, juste avant, on va mettre de l'essence. Parce que vous l'avez vu, voyant réserve, poteau. Ouais, c'est bon, t'es en voiture, tu peux rouler, poteau. Les gens, ils doivent se dire, mais c'est qui ce fou, frérot? Ce malade mental. Oh non, elle m'envoie de l'eau. 300 TPI sur la neige. Vous l'avez vu, il y a de la neige partout. Ça va partir en symphonie, là. Vous le voyez, on est en réserve, donc là il faut aller mettre du coco avant de pouvoir aller s'amuser. Attends, parce que là en plus qu'il fait froid, ça va être drôle. Hein. Alors 98. Oh non, elle est hors service. Oh non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on est sauvé. Voilà. Hop. Hop. On est pas mal, franchement. Fait juste pas chaud. Regardez-moi cette dégaine.
peu de neige dans le réservoir. Allez, bois. Alors, le plein d'un 300. Attention. Putain, le pistolet, du coup, il passe pas bien. Hop, et tu sens la connerie arriver, là. Bon, on va l'avoir monté sur le côté, tu vois, c'est ça qui est cool. On le voit. Bon, là, ça sera déjà pas mal avant de déborder. Oh, par contre, ça caille. Hein. 8 litres. Et c'est drôle parce qu'on voit le niveau. Donc là, c'est bien. Bon, on l'attache. Hop, c'est bon. Impeccable. Bon, là, on est bien. Je vais vérifier que j'ai tout fermé. On a le plein. Les poches sont fermées. Bon, la béquille, on espère qu'elle va tenir. Lui, le masque, frérot. Oh non. C'est un gendarme. Un gendarme en civil. Il va appeler ses collègues, frérot. Je vais passer un sale quart d'heure. Bon, les amis, c'est bon. On a le plein. On va pouvoir aller rouler tranquille. Mes yeux, là, je vois rien. Il n'y a que de la buée. Oh là là. Comment ça marche? Dites-vous, les amis, depuis que je l'ai, j'ai encore quasiment jamais roulé avec. Donc ça va être l'un de mes premiers roulages. Mais c'est d'une violence. Cette moto, c'est une violence à l'état pur. Attends, est-ce que tu respectes les feux rouges quand il y a de la neige? Non, mais c'est une vraie question. Hein. Oh non. C'est bon, heureusement, démarreur électrique, ça c'est pratique. Vu qu'on est 100% homologué, entre guillemets, on peut rouler là où on veut. J'ai la plaque, j'ai pas les clignots, mais j'ai les phares, j'ai la plaque, j'ai la carte grise. Et c'est bon. Et en plus, je suis tout seul. Quel guignol va faire de la moto tout seul? J'aurais dû demander au gendarme s'il l'a trouvé homologué, la moto. Sorti en 50 top. On va se faire une petite sortie en forêt quand même. Hein. On va aller voir un peu ce que ça donne en forêt. Sur la route, ça va, c'est pas trop le bordel. Est-ce que les trains, ça passe quand il y a de la neige, hein? Non, je pense que là, on rate les cours. Mais c'est con que ça soit un week-end. Pleine semaine, neige comme ça, pas court. Clean. Ne vous inquiétez pas, on va prendre un chemin quand même enduro pour la blague. Attendez, parce que nous on veut faire de l'enduro. Hop, petit enduro, tu connais, on passe partout. Oh, comment ça adhère pas? Oh, ah oui, c'est vrai qu'on voit pas les dodanes du coup. Ah, je suis trop bête. Alors attendez, parce que là nous on va rouler. Où il n'y a pas de route, on met le pied, même si ça sert à rien, tu sais très bien que je vais tomber, tout le monde sait que je vais tomber. Oh, comment ça glisse? Il n'y a aucune adhérence, l'arrière, frérot, il fait sa vie. C'est con que j'ai pas la caméra à l'arrière, je vous jure, parce que on fait du tango, frérot. Lui, ça va sur les freins, il va s'y mettre. Oh, punaise, attention. Ok, du coup, là, on voit aucune déformation. C'est ça qui va être drôle. Par contre, le paysage, oh, le paysage, comment il est magnifique. Oh, ça, je suis désolé, c'est magnifique. Regardez le paysage. Oh, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé de m'arrêter quand je vois un paysage comme ça. Attendez, carrément, je m'arrête. Regardez la KTM. Elle bingy like Christmas. Ok, elle a coupé. Bon, au moins ça sera plus calme. Et je pense qu'on peut faire l'intro de la vidéo tranquillement dans ce genre de conditions. Hein, on va se faire une petite balade. Petite balade du dimanche, frérot. La neige, les après-ski, on a la totale, on a la tenue. J'ai envie de te dire, là, on peut braver le froid. Regarde, on va la mettre comme ça, la gueule qui est là. Salut les amis, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, vidéo avec la KTM, la 300 TPI. Premier roulage, entre guillemets, on va dire, de l'hiver. Premier roulage, même tout court, parce que depuis que j'ai acheté la moto, j'ai pas roulé avec la moto. Donc forcément, le 50 top, tu vois, il va chanter un petit peu. On va se permettre un petit démarrage, frérot. Aux petits oignons. Vous allez voir qu'on va bien s'amuser. On va directement y aller. La forêt est à nous, il n'y a personne.
en même temps qui va rouler avec ce temps là. Donc franchement je pense qu'on peut s'amuser. Franchement je peux te dire que là si je tombe pas c'est du miracle. On n'a aucune adhérence. Bon la moto risque de tourner patate frérot. Parce que là ça va être un bordel. On voit aucune déformation de la route. Wow. Bon franchement c'est magnifique à voir. Mais il n'y a aucune adhérence. Mais c'est ça qui est encore plus drôle. Bon c'est dommage. J'ai personne pour rouler avec moi aujourd'hui. Wow. Personne pour rouler avec moi. Mais c'est d'autant plus drôle. Parce que là frérot tu fais ce que tu veux. Là tu vas pas me dire qu'il y en a un qui va sortir frérot du bois. Non frérot j'ai pas envie que tu roules ici. Hop. Et voilà. Là il y aura personne. Moins 4. Oh punaise. De toute façon vous l'entendez au régime moteur, j'ai l'arrière, il fait du breakdance, de la zumba. Par contre c'est traître de rouler sous la neige parce que tu vois aucune des déformations de la forêt, aucune racine. Bon après c'est grâce à ma prépa suspension de fou furieux. Aussi je vais rien sentir, hein. ça je vous le dis direct. Il y a quand même un beau manteau de neige. Franchement Evelyne Delia tout ça, ils n'avaient pas menti, ils avaient prévu de la neige. Bon elle est arrivée ce week-end au lieu de la semaine. Mais ça va être d'autant plus kiffant à rouler. Wow, wow, wow. Wow. Comment c'est dur de rouler, c'est impraticable. Mais ça nous fait une petite sortie. Ah franchement, il y a de quoi s'amuser, hein. Y a de quoi se régaler. Oh là, il y a un pont de base. Bon, on le voit même pas. Après, j'ai envie de te dire, quand t'as ce genre de moto, bon, tu sens pas vraiment les déformations de la route, tu vois ce que je veux dire. Putain c'est dingue, le manteau de neige, c'est magnifique. Bon je sais pas trop avec quel rapport rouler. Pas vous mentir que c'est difficile quand même de rouler comme ça. Déjà que de base, un deux temps, c'est dur de rouler. Mais quand t'as aucune adhérence, ha, dès que tu commences à mettre la poignée dans l'angle, il y a l'arrière qui chasse, il y a rien qui tient. Oh là là. Mais dès que ça ragrippe par contre c'est violent. Bon attends parce que là je pense pas qu'on a de quoi rouler. Oh, regardez la trace que ça fait. On va quand même aller voir ce qu'il y a par là-bas. Oh j'ai carrément la tête, elle est gelée. Oh si je puis te dire la tête elle est gelée. Bon là je sais pas où on est parti frérot. En urbex. Carrément on fait un urbex de la forêt là je crois. On a l'impression qu'on se croit en Laponie. Je suis le mec en fait qui a le 125SX. Je sais pas si vous voyez lequel. Je crois que c'est un américain au States. Il y a un de ces 125. Il le fume dans la neige. Bah aujourd'hui je crois qu'on vous fait la même chose hein. Oh punaise. Est-ce que c'est une sortie enduro, une sortie forêt? Je pense que là c'est pire qu'une sortie débutante. J'espère qu'on a quand même trouvé la sortie. Parce que là, regarde là le talus là. Tu passes dans les branches. Tu vois quand je vous disais que c'était mieux un 4 temps. Quand t'accélères pas que t'as bas régime comme ça, c'est beaucoup plus agréable d'entendre un 4 temps qu'un 2 temps. Ça y a pas à dire. Alors où est-ce qu'on va aller? Il y a des traces, ça veut dire qu'il y en a un qui est passé aujourd'hui. On va voir si il y a une belle trace. Ah oui d'accord, mais attends. On va directement aller faire une petite montée. Hop, ça monte tout seul. Ah ça par contre relou. Putain, comment vous dire que j'ai chaud? Je m'avais dit je vais pas mettre trop de couches parce que c'est sûr il fait chaud. On m'a dit, tu connais la daronne, bienveillante. Ouais rajoute une couche quand même. Eh j'aurais pas dû l'écouter. J'aurais pas dû l'écouter, je vous dis les mecs. Par contre tu vois j'ai bien fait de pas mettre mes bottes de moto hein. J'aurais pas eu envie de les salir. Petite marche arrière comme il se doit. Bon la moto elle a déjà connu pire hein. C'est une moto d'enduro. Donc franchement c'est pas 3-4 bouts de neige qui vont lui faire peur hein. Là on s'éloigne du tout au tout là. On voit aucune déformation. Wow. Ah oh. Oh c'est tellement bas, je vais me prendre toute la neige. Hop hop hop, on va ski. Ok, on a fait un glitch. Oh, regardez les traces que j'ai fait. Oh on a aucune adhérence. Alors par où on pourra aller?
En fait, c'est quand tu vois les traces que je fais que tu te rends compte que j'adhère pas. Regardez toutes les traces, il y en a aucune qui est droite. J'adhère pas, je me droite gauche. Hein. Ça patine, ça patine. Oh là là. Alors celui qui me le fait là comme ça en enduro, je veux bien qu'il m'apprenne. Parce qu'en vrai, c'est chaud. Hein. Hop. Comment c'est technique de rouler sur la neige? Attends, je pense qu'on a raté l'entrée, frérot. Non, on va passer par là. Il y a l'air d'avoir un accès par ici. Alors, sinon, on va se le créer. Faut pas t'inquiéter. Petite grimpette sous la neige. Et la moto, elle fait tout sans difficulté. C'est affolant. Hein. Ouais, mais attends. C'est où le chemin, là? Attends, ici, il y a l'air d'avoir une petite descente. Ah oui! Là, je dois passer là. Ouais, sans souci. Ouais, sans souci. C'est la moto, frérot, qui m'a accompagné là où est-ce que je devais aller. Moi, j'ai rien fait. Je te dis, j'ai rien fait. Et quand je vous dis que c'est physique, la bécane, surtout là, hein, dans ces conditions-là, la moto, c'est une dinguerie. Elle adhère pas que ça soit à l'arrière. Il y a que de la neige dans le pneu. Putain, mais même moi, je sais pas marcher. Regardez, ça adhère pas du tout. Déjà que j'ai quasiment plus de crampons. Alors là, c'est la guerre. Par contre, elle va être dégueulasse. Elle va être toute sale. Mais qu'est-ce que c'est joli. Franchement, dites-moi que c'est pas joli. On a quand même, quand il y a de la neige, des beaux panoramas. On va essayer d'aller rouler. On va essayer d'accélérer. Même si là, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Il y a aucune adhérence. Et en fait, on voit rien. C'est piégeux à mort. Tu vois rien du tout. En vrai, c'est kiffant. On va continuer. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, n'essayez pas de démarrer avec une vitesse. Petit conseil, prompt, et dites-moi les amis, ceux qui sont connaisseurs, hein. Mais là, pour une 50, là, pour une bêta 50, elle est quand même vachement haute. Non, je rigole. Mais les amis, elle est haute de ouf, cette moto. Hein. Alors, est-ce qu'on peut démarrer avec une vitesse? Je pense que oui. Elle en a pas besoin, hein. Elle démarre elle-même, mais elle est haute de fou. Et pour commencer l'enduro, je pense qu'il y a quand même des meilleures conditions que là, frérot, je me crée mon propre chemin. Déjà toujours debout, on va me dire. Oh, wow, le demi-tour, il est tellement simple. En fait, je peux que rester en première, mais... Je suis tellement haut sur la moto, en fait. Je tiens pas du tout dessus. Non, mais c'est inroulable. Oh, oh. Par contre... La sonorité est ouf. Hein. Le bruit du deux temps. Oh mais là c'est trop casse-gueule. En plus c'est tellement petit que à peine j'accélère. Je suis déjà au moment où je vais me péter la gueule. Mais il y a des arbres partout ici. Attends, je connais même plus parce que je suis déjà passé par ici. Quand il n'y avait pas la neige. Mais lui frérot il est arrivé sans s'inviter. Hein. Hop, allez, hop les branches, on débroussaille en même temps. Et donc le chemin d'orige, frérot, il est là. Ouais. Bah non, il est même pas là en fait. Eh mais on dirait que je fais vraiment 1m50 pour cette moto. Bon, à l'arrière, c'est le carnage. À l'arrière, frérot, j'ai fait une tranchée. Frérot, les demi-tours, ils sont... Oh, 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 oh. Mais je fais... Elle est trop haute cette moto. Attendez. Voilà. Allez. Et on va essayer de passer. Là-bas il doit y avoir un chemin, non? Allez. On se casse. Wesh. Non mais ça y est. C'est un chemin ça? C'est un chemin ça? Ouais. Oh non. On va freiner de l'avant, je suis un gogol. C'est bon, bon allez, on va essayer de trouver un vrai chemin pour se barrer d'ici. Parce que là, j'ai l'impression que je suis dans un cul-de-sac. Là. Là je le sens qu'il y a un chemin là. Ok. Ok, ouais. Impeccable. Non mais. Bon vous savez quoi les mecs? Faut le créer le chemin. Ah, j'ai pris de la neige dans la gueule. On passe par ici, on passe par là.
Ah oui, mais non, mais frère, y a neigé ou y a tous les arbres du monde qui sont tombés là? Enduro, enduro ça passe. Enduro ça passe. Avec la 50 je serais pas passé là. Bon là on va essayer d'aller là-bas. Oh c'est quand même magnifique hein. Hop allez. Hop. Ah là ça grable. C'est quand même beau hein, franchement. Malgré que ce soit galère de rouler, c'est quand même vachement joli hein. C'est bien, c'est que vous avez ma vitesse. Au moins vous savez à combien je suis. Le compteur, ça c'est une dinguerie. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu d'enduro là pour voir? Et ça passe. Oh c'est dingue. Comment ça adhère pas? Ok. Je vais me taper une branche, je vous l'ai dit hein. Wow. Quand elle radère, c'est comme si elle avait le boost sur Rocket League. Ah c'est impraticable. C'est praticable mais c'est enroulable. C'est ça que je voulais dire. Oh, un petit puits. Qu'est-ce que c'est joli. Et quand ça radère, il y a une puissance qui arrive. C'est le dème, c'est le dème. Hop, ils ont coupé la branche pour moi. Et... un chantier, monsieur, un chantier. Ah oui. En fait, ça glissait moins dans la forêt. Là, frérot, dès que j'accélère, le compteur, il comprend rien. ESP off, il y a tout qui s'active, ça fait de la lumière. Attends, mais c'est un temps pour faire de l'agriculture, ça? Ah, il s'est garé là, poteau. Il s'est dit, moi, je reste là. M'embêtez pas, je suis garé. On est en vitesse de croisière, parce que là, si vous savez pas, un 300 TPI, t'accélères, c'est fini pour toi, hein. Bonjour messieurs, mesdames, je ne suis pas fou, je suis intermittent du spectacle. Ouah, mais dès que j'accélère, j'ai l'impression d'avoir un slick à l'arrière. Wow. J'espère que vous voyez le compteur. Hein. Ah, c'était quand même joli la forêt. Hein. Frein chemin, c'était pas mal. Frein chemin. Hein. Oh là là, oh là là. Alors, c'est un stop, ça c'est quoi? Imagine toi, si tu passes ton permis aujourd'hui. Bon, un petit contrôle de la marée chaussée pour finir la vidéo, frérot, en beauté. Je te jure, manquerait plus que ça. Avec mon 70 stage 6. Waouh! Waouh! Elle va en découdre, frérot. Elle est pas là pour. Hein, elle est pas là pour enfiler des perles, hein, moi je te le dis. Hein. Ah, ça, c'est un truc de ouf. Moi j'ai quand même envie de changer de forêt, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il nous reste de l'essence? Ah bien sûr. On va se faire, attends j'ai mis le clignotant. Attends j'ai mis le clignotant. C'est le collègue, Vémotard. Ah il était pas, celui-là il devait être concentré sur sa conduite avec ses pneus, il était comme ça. Je fais le malin, dans 2 minutes je suis à terre hein. Ça va parce qu'il n'y a pas encore de verglas tu vois. Un petit dedans, bon j'ai envie de te dire qu'on le sent pas hein. On le sent pas le dedans hein. Non cette moto c'est trop, je vous jure c'est trop. La Twingo, premier rond-point en travers, c'est con, je vois pas des petites voitures en travers là. Ça serait un plaisir de voir du droit de gauche. Est-ce que vous avez fait votre sapin les mecs? Je réveille le village, je me permets.
Bon les amis, si vous avez fait votre sapin, dites-moi les couleurs. Vous me l'envoyez sur Insta, sur une vidéo. Pas je note vos motos, mais je note vos sapins. Franchement, un nouveau concept. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Oh là là, mais elle tire, elle s'arrête pas. Si, oh non, par contre toi, tu vois, je vais pas te coller parce que tes petits résidus de pluie dans mes yeux, là, j'ai pas trop envie, tu vois. En plus, je trouve que perso, je reste propre. Je reste pas sale. Il y a plus de neige qui fond. Putain, elle m'envoie toute son eau. Frérot, moto vlog, moto snow vlog, ça existe pas ça? Oh attends, des motoneiges, là, bon tu l'achètes pour 24 heures la motoneige. Mais ensuite tu fais des moto vlogs en motoneige. Ça reste des moto vlogs hein. Oh j'aurais dû rentrer là, il y avait un de ces chemins. Ah ouais non, regardez le compteur. Oh il fait des dingueries, il comprend rien. Il comprend rien le pauvre, il sait pas ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi, j'ai rien à faire sur la route. Oh punaise, tu vois quand tu vois ça, et t'as rien à faire sur la route. En mode sur la route, t'as un danger. T'as un danger ici. Bon le seul danger c'est, je sais pas, c'est que je vois pas qu'il y a une dinguerie. Mais la neige est magnifique. Oh là là, wop. Passe par là. Eh franchement, si tu sais le manier le 300, dans les tours tout le temps. Hein. Mais ici, mais tu rigoles. Tu rigoles, y'a que ça à faire. Bonjour collègue. Wow. Calme-toi. J'ai l'impression que j'ai sorti une voiture sur route verglaçante. Je vais au lycée sous la neige. Impeccable. Putain mais là je suis pas serein là. Je suis pas serein. Qu'est-ce que je fais sur la route? Oh mais l'arrière. Oh là là là. Là nous avons la possibilité d'entrer. Attends, est-ce qu'il y a un trottoir ici? Bon on va même pas le sentir en fait. Il y a l'air d'avoir plus de neige quand même hein. Oh mais attends, il y aurait pas un chemin là? Ouh là là, là t'as envie de tirer un tout droit. Un tout droit poigné dans l'angle. Je vous jure c'est impraticable. Seul véhicule pour aller faire les courses. Sors pas ta voiture, ça sert à rien. Prends un enduro. Oh mais attends, mais le chemin il continue ici. Oh, je suis en train de tomber. C'est vrai qu'il y a un fossé en fait. À tout moment c'est moi qui finis dans le fossé. Bon attendez, je fais le passage au piéton. Bah oui je dois passer, merci madame. Ah, pied sur l'étrier, c'est ça qu'elle a marqué. Incroyable. C'est pas satisfaisant à attendre. Là, petit 4,50 là, comment vous auriez entendu le 4,5? Bon alors, attendez, parce que là, je vais remettre mes chaussures. Elle a envie de couper, frérot, elle a envie de rentrer, elle a envie de dormir la moto. Elle a dit, pourquoi tu m'as sorti? J'étais toute propre. Eh, t'es fait pour ma grande. Non, coupe pas, tu me fais quoi là? Elle est folle, elle veut s'arrêter. Elle veut s'arrêter en plein chemin, vas-y coupe, vas-y, t'as le droit, coupe-toi. Je vais te tordre dans le bois là. Là c'est là que tu vois qu'une moto comme ça, ça peut aller n'importe où. Bon regardez pas le panneau, c'est parce que ils l'ont mis aujourd'hui pour éviter, tu vois, qu'on se blesse. Mais c'est autorisé, vous inquiétez pas. Oh, par contre c'est vrai que là, oh là on se caille hein. Oh, oh là on se caille sévère. Par contre c'est beau tu vois. Là tu la mets en plein milieu là, y a personne. Tu fais ta petite photo. Franchement on est bien. On va pas se plaindre, on a de quoi s'amuser. On a de quoi jouer. Une journée comme ça, tu fais chier personne. Fais des flammes aussi, non? Bon allez, on est parti. Sur le chemin pédestre. Frérot, pour se balader avec mon cheval, il est aussi aucun cheval. Donc j'ai le droit. Oh là, il y avait un beau chemin. Oh, attends. Oh, le chemin comme ça, là, tout droit. Eh, mais ça me saoule. J'ai envie de faire demi-tour. Mettez-moi un grand chemin. Non, mais il y a qu'en enduro où tu passes là. Regardez la trace que ça fait. Et on va re-rentrer là-bas. Calme-toi. Waouh. Doucement.
Petit clignotant, c'est ma tête. Ok, concentré, concentré, on finira pas à terre. Oh putain, oh putain. Oh là, là j'ai eu peur. Dès que j'ai dit ça, je me voyais partir. La roue avant, elle a dit non. J'aimerais juste envie de... Wow, wow, wow. Patinoire activée. ESP off. ESP off. Dinguerie. Oh là, il y avait un chemin. Temps de freinage sur la neige. Ah oui, dérapage pendant une demi-heure hein, quand même. C'est beau. Hein. Prends un chemin. Là-bas, on peut faire demi-tour. Test sur la neige. On prend les freins. 3, 2, 1, go. À fond, à fond. Ouais, ça freine. Ça freine pas de ouf. Hein. Regarde, là j'ai repéré un chemin, il m'a l'air pas mal le frein chemin. Dis-moi ce que tu en penses. Hop allez. Oh bon. Et c'est impraticable, elle veut pas adhérer. Wow. Oh comme ça. Wow. Oh, se foutre la gueule à terre là. Oh, ok. Et là on va croiser un renne. Adolphe, non c'est pas Adolphe le renne. C'est Rodolphe. Rodolphe le renne, je vais me le taper à 70. Oh putain, je vois ma vie défiler là. Oh punaise, attends, ralenti Monnier. Hey, il était bien ce chemin. Attends, on va se le refaire. Mode freestyle, demi-tour freestyle. Hop. Oh punaise, ah, il était pas du tout classe mon demi-tour. Regardez les traces que je fais. Mais je suis un bulldozer. Aucune adhérence. Ouh. Wow. Ben, je suis congelé, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, mais ça adhère pas. Wow. Oh, il pleut. Oh non. Oh non, ils ont rajouté de la pluie. Ah, oh, ça c'est pas cool. Oh, le carnage. Oh, ça fouette. Oh, je suis en aponie ou... Oh. Bon, allez. On a fini de faire le con. Pour l'instant, on s'est pas gamellé. Ouah, ça fouette. Mais c'est quoi qui tombe là? Mais c'est quoi qui tombe? C'est pas de la neige. D'où de la neige, ça fait mal comme ça? Quand je suis en train de skier à Courchevel, là, en bas de Louis Vuitton, là, ça fait pas ça. Bon, c'est pas pour autant que je vais abîmer mes pneus. Hein. Bon, on va rentrer tranquille. On dirait qu'il neige, mais ça fait tellement mal. Ah, c'est horrible, comment ça pique. Ah, je déconne pas, je sais pas ce qui tombe. La vérité que ça fait trop mal, je déconne pas, je vous jure les mecs. C'est en train de me tuer. Pas sur mon corps, mais sur mon visage. Avec le casque, ça, y a tout qui passe à travers. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit.